Bonjour Métulissa, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens ouvrir ce vlog. Monsieur Oudi, vous avez fini? Je viens ouvrir ce vlog, comme je disais. On est dimanche 20. Non. 21, ouais. 21 novembre. Et je viens ouvrir ce vlog parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Voilà, que j'ai reçus ce matin. Du coup, je voulais ouvrir avec vous. Comme ça, après, je serai tranquille. Là, il y en a deux. Hop. On met ça là. Et du coup, je me suis pris ceci. En fait, il y a beaucoup. C'est Nina Queen qui en parle beaucoup. Au bord de la tombe, la chasseuse de la nuit, le tome 1, Jennifer Forte. Voilà, ça me tentait bien. Il y a quand même pas mal de tomes. Du coup, voilà, je me dis pourquoi pas essayer. Voilà. Après, j'ai voulu me prendre ceci. C'est. Je ne sais même pas de quelle maison. Ah, je ne vous ai pas dit la maison. Ceci, c'est chez Milady. C'est de la Bitlit. Voilà, j'espère que je vais aimer. Ceci, j'avais trop envie de l'ouvrir avec vous. Mais je vous montrerai plus tard c'est quoi ça. Parce que là, j'ai pas envie d'ouvrir. Voilà, je ne sais même pas le titre. Ah, voilà, je sais monter le truc sans le faire. Le chat qui rendait l'homme heureux. Heureux. C'est Soleil Manga. Oh. Mon chat aujourd'hui, il est difficile. Voilà, il est trop beau. Voilà. Je ne sais pas de. Je sais juste que ça parle d'un petit chat. Voilà, il y a des petits chats partout. Je vous en parlerai plus tard. On va ouvrir l'autre, bien sûr. C'est à l'envers. Hop, je sors tout. Si ça veut pas sortir, ça ne sort pas. Hop. Il y en a trois dans celui-là. Hop. Ça devait pas arriver aujourd'hui. On est dimanche et c'est arrivé dimanche. Voilà. Ouais, j'espère que. Du coup, je vous montre celui qui me donne très envie. C'est le chagrin de l'amour faux. Fond de la belle chanson de chez Hugo, de Tamara Balina. Voilà. J'ai entendu parler de bons retours. Du coup, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Comment chanter son amour quand on ne l'a encore jamais ressenti. Voilà. C'est de la comédie romantique. Du coup, voilà. Oudi, t'as fini? Ah non, il y en a quatre. Oh, il y avait quatre, j'ai oublié. Il y en a quatre dans celui-là. Du coup, après, j'ai pris Tout le monde en parle aussi et je voulais me tenter. Il y a longtemps qu'ils sont sortis, mais c'est pas grave. De Jennifer L. Amandrout. Oudi! Vous voulez pas un chat? Opsi. Dinette. De chez j'ai lu, du coup je me dis pour pas me tenter, je pense que je vais essayer de me le faire au mois de janvier. Voilà, parce que j'en ai trois maintenant de Jennifer Almentrout. Après, je me suis pris un petit Noël. Je vous avais déjà montré cette collection que j'aime beaucoup. Enfin, je les ai pas encore lues, mais j'aime beaucoup la paraption. En fait, vous allez peut-être pas voir, vous voyez, ici il y a des petites étoiles et c'est trop mignon. C'est la nouvelle. Nouveau voisin pour Noël de Séverine Bavavoir. C'est chez Bookmark, je pense. C'est la collection Bookmark, mais l'hiver. C'est la collection hiver. Voilà. C'est un roman MM, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle et je n'ai pas trop envie de savoir. J'aime bien. Voilà. Je pense qu'il va me faire pas long feu parce que je pense que je vais me le lire. Début décembre avec un autre que j'ai et puis celui que je voulais absolument. Oups! Une petite chute. Vous avez fait une petite chute, c'est pas grave. On coupera ça au montage. Celui qui m'obsédait absolument, j'en ai pas lu non plus la quatrième de couverture, mais juste le titre et la couverture, trop belle. Le Noël de Clochette. C'est un petit chat. Je sais que ça parle d'un petit chat. Un chat joueur qui. Cupidon entre les photographes et le pâtisserie qui ne manquerait pas.
Voilà. Émilie a trouvé un poste de cuisinier à Wabi, au de charmant MB, MEB, BBI, BBB, -B, qui appartient à Miss Tilly et exprès réalise un rêve, son rêve, ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Très vite, elle attache à la propriétaire un lieu, mais elle ne l'a pas une très haute opinion de son nouveau Lucas, neveu Lucas, photographe d'un renommé qui laisse sa vieille tante gérer seule la difficulté de tenir passer les fêtes de Noël avec Tilly. Lucas parvient à amadouer Émilie en lui montrant une autre facette de lui-même. Peu à peu, elle tombe sous le charme jusqu'à ce qu'elle apprend qu'il veut vendre Wambane Wos, hors clochette, le petit chat expire au poil tout long, tout blanc, a décidé de remettre de plus instant lui offrir à Émilie ou Lucas son frais fait d'une pour l'autre, mais sa mission l'aider à partager sa vision. Voilà. C'est de la collection Hauteville. Je connais pas la maison Hauteville, mais j'aime beaucoup cette couverture. Elle est trop mignonne. Et c'est de Tristan MC Kavan. Je sais pas comment ça se dit. Kavan. Voilà. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Je regardais ces chapitres avec quelque chose, mais je tombe pas sur un chapitre. Ah là, non, il n'y a pas de. Il n'y a rien en chapitre. Ils sont normaux. Voilà. Voilà les petites nouveautés. Il y en a beaucoup quand même. Un peu, beaucoup trop là. Voilà. Voilà. Je vais. Ah oui, je voulais vous parler. J'ai presque fini. Ah oui, aussi je joue à Pokémon Ruby. C'est Ruby, je crois, que je joue. Depuis. Ouais, ça. Pokémon. Vous allez peut-être pas le voir. Pokémon Ruby. Ouais, c'est ça que j'avais dit, Ruby, parce que j'aime bien Ruby. Du coup, je joue à Pokémon. Voilà, depuis un moment maintenant, et bah depuis hier soir, j'ai gardé Danse avec les stars en jouant un petit peu, puis j'ai laissé tomber, du coup voilà, et non, oh non mais je me suis trompée, Pokédex. PCR plutôt. Voilà, et du coup je joue à Pokémon. Voilà, je suis juste dans les herbes. On va bouger de là. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est là. R pour enregistrer, c'est ça. Ça fait 5h30 que je joue au total. Hein. Voilà, depuis hier et aujourd'hui matin, ça fait 5h30 que je joue. On va sauver la partie quand même. Comme ça, c'est fait. J'ai deux batchs. J'ai reçu les deux batchs, la première et la deuxième à Rennes. Du coup, voilà. Et hier, j'ai quand même lu un petit peu. Enfin, ouais, hier. J'ai lu Astérix et les Griffons d'Astérix. Au texte, c'est Jean-Yves Ferré. Et au dessin, Didier Connard. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis presque à la fin. Je vais finir ici. Voilà, il me reste 4 pages, je pense. J'ai dû arrêter hier parce que j'étais chez ma mamie et du coup j'ai arrêté. Du coup, là, je vais vite pour lire les 4 dernières pages. Comme ça, je l'aurai fini. Je vous donnerai mon avis demain, lundi. Du coup, voilà, je vous donnerai mon avis ou tantôt si je vous reprends pour vous donner mon avis. T'étais calmée? Ouais, ce chat, il faut qu'il se calme. Et après, demain, c'est parce que demain, on commence la LC sur Mal dans la peau. Je ne sais plus quel auteur, c'est Hugo, ça je sais. Voilà, du coup, voilà. J'ai quand même envie de l'ouvrir. J'ai un problème, je ne sais plus casser les papiers. Allez! Je fais une drôle de tête quand même. On va prendre un truc. Voilà.
Du coup, on va voir c'est quoi du coup le petit carton. Hop. Oh, c'est juste un carton. C'est marqué quoi? Merci à tous mes lecteurs. Voilà. Du coup, voilà. Hop. Je vais vous montrer un peu plus. Mais je range ça avant. Parce que avec mon chat. Voilà. C'est trop mignon. C'est juste un petit carton en marquant merci mes lecteurs. Pourquoi pas? Ah, c'est pas un manga en couleur. La jaquette et tous des petits chats. C'est trop beau. J'aime bien celle-là. Regardez quoi, c'est mignon. De l'autre côté. Voilà, bah ça c'est. Par contre, je suppose qu'on le lit. On le lit à l'envers. Ouais. Je vais vous montrer une page ou deux. Sans trop spoiler. Oh, bah, qu'il est mimi, le petit chat. Il est très mimi, le petit chat. Est-ce qu'il va être gentil comme mon Woody? Enfin, pas comme mon Woody, parce que. Il tape toujours sur sa sœur. Voilà, j'aimerais bien lire. Par contre, je ne sais pas s'il y a en plusieurs tomes. Et. Voilà. J'aime beaucoup. Je vais mettre le petit carton, parce que c'est vraiment du carton. Voilà. Dans le livre. Voilà, comme ça je lirai ça plus tard. On va mettre là près de mon petit chat. Ouais, t'as la télécommande aussi dessus. Et surtout, du coup, voilà, j'aime beaucoup. On parle un peu de les Amazon. C'est un peu dans le comment dire, les enfin, oh, je sais plus. Dans l'ancien temps, quoi. Du coup, c'est beaucoup. J'aime bien. Puis, j'ai toujours aimé Astérix et... je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, je ne sais plus son nom. Enfin, soit Astérix. J'adorais les livres. Mais je sais pas. J'ai lu l'avant-dernier que j'avais... que mon papy avait reçu avant qu'il décède. Je lui avais emprunté... Après son décès, je l'avais lu, je crois que je l'avais chroniqué, mais je ne suis pas sûre. Je me suis reprise celui-ci, parce que voilà, j'avais trop envie. Et j'aime beaucoup aussi. Je vais finir cette BD, la prêter à mon papa, comme ça après je la rangerai. Voilà, parce que pour le moment, je mets tout dans une boîte. Je vous montrerai ça une fois. Voilà, elle est énorme par contre. Enfin, c'est une BD normale, je pense. Mais voilà, elle est trop belle, j'aime beaucoup. Du coup, je vais terminer ça et je vous tiens au courant. Et après, je vais continuer à jouer, je pense. Ou j'avais envie de commencer le mal dans la peau, qui est juste là. Je pourrais vous le montrer si vous voulez. Je vous fais pause et je reviens. Ce serait une petite idée. Je suis désolée avec la lumière. Hop, je reviens. Me revoilà, le mal dans la peau. Voilà, j'aimerais bien le commencer. Voilà, j'ai déjà préparé mon marque-page clochette. Je l'ai mis en n'importe où, mais c'est pas grave. J'avais mis mon marque-page dedans, comme ça je l'ai. Pour commencer, je sais pas, j'hésite de le commencer. Parce qu'on doit on doit lire 68 pages, je pense, pour demain. Voilà, du coup, je dis 63 pages. Pourquoi pas le commencer? Je vais peut-être faire ça, je vais lire peut-être ça. Et commencer ça, comme ça je vous en parlerai demain et peut-être demain, ou alors je continue à jouer, je ne sais pas encore, je vais voir. Sur ce, voilà, vous verrez bien demain ce que j'aurai fait. Là, je suis à Dessy, voilà. Et là, j'attends mon chéri qui va rentrer. Il est parti jouer à Pikmin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application sur téléphone qui est comme Pokémon Let's Go. Pokémon Go. En fait, vous devez aller dans les... où il y a des arènes et voilà, il doit fleur de fleurs, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pas trop mon truc, du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je reviens demain avec plus d'informations et plus... enfin, avec déjà un point lecture sur ceci
et peut-être une avancée sur le mal dans la peau, une avancée sur, je sais pas. Ça oui, peut-être que demain je vais quand même jouer du matin, peut-être, je ne sais pas, je vais voir, je ne sais pas. Ouais. Nous aujourd'hui on a fait journée pyjama, on a joué à Pokémon, on a fait raclette comme dit à manger à midi, enfin midi 1h, il était 1h qu'on a mangé plus ou moins. Là j'ai fait ma vaisselle, mes bébés ont eu à manger, voilà, et sur ce, ben, j'ai plus qu'à faire ce que j'ai envie de ma soirée. Voilà, et les papous bien sûr, mes bébés. Voilà, sur ce, je vous laisse, parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle et que je blablate. Ça fait un peu beaucoup, voilà. Sinon, le vlog va être encore très long. Du coup, je vous laisse et je vous dis à demain. À tantôt pour vous, mais à demain pour moi. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est lundi 22 novembre. Ça passe vite les mois. On arrive presque à Noël. Vous avez prévu quoi, vous, à Noël? Ça m'intéresserait bien de savoir. Voilà, moi, je vous dirai ça en dernier lieu parce que voilà, j'ai pas trop envie de le dire tout de suite. Voilà. Ben, j'avais plein de choses à vous dire. Du coup, hier, je vous avais pris pour vous parler de ceci. Je l'ai terminé, je n'ai plus qu'à la donner à mon papa maintenant, je vais vous tourner un petit peu par là. Je l'ai terminé hier soir en jouant aussi à Pokémon Let's Go, non, Pokémon Ruby. Voilà, je l'ai terminé, j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore mis de notes. C'est vrai qu'il faut que je la note dans mon carnet. J'ai beaucoup aimé. Il y a le seul point un peu négatif pour moi, c'est que les... Je sais pas comment je pourrais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer un truc sans trop spoiler. Hop, 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 hop. Si je sais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir l'écriture en fait, c'est ça le truc. Non, j'arriverai pas à vous montrer. En fait, vous avez, il met tous les E à l'envers. Du coup, ça m'a un petit peu chatouillé les yeux, mais après, c'est passé tout seul. Mais là, au début, c'était un peu compliqué. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vais pas trop vous en dire. On va suivre Astérix et Obélix. Ils vont à la recherche de Griffon, toujours avec les Gaulois, leurs pépettes. Et il va se passer des choses très très beaux. Et j'adore je vous montre, mais vous connaissez ce tableau coloré. Et ici, c'est vraiment du coloré, coloré. Bon, il y a un petit peu de plus sombre. Voilà, mais. Voilà, je vous montre de loin comme ça vous ne voyez pas pour pas vous spoiler. Mais j'ai bien aimé. Bon, c'est un petit livre, du coup on ne peut pas non plus donner vraiment son avis, pas comme un roman. Un roman c'est plus intense, plus de choses. Voilà, même que il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'action dans celui-ci. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien essayer de me procurer. Les autres tomes, parce que là c'est le 39 et j'aimerais me procurer du 1 au 20, 38. Du coup, j'aimerais me les retrouver et me les faire parce que voilà, il faudrait que je voie pour ce que normalement mon papy les avait, mais pas comme ça en brochet. Il faudrait que je voie. Voilà. Après, aujourd'hui, on est en lecture commune pour le mal dans la peau. J'y suis à ma partie du jour. Je suis à la chapitre 6. J'ai mon Marc Bazar qui s'est barré au Valou. De toute façon, il ne tient plus. Voilà. Et je suis à la partie du jour. Pour le moment, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est assez intense. Comment dire, ça va être dur, je pense. Mais je pense que je vais essayer de le continuer tantôt un petit peu. Parce que demain, je vais arriver à la... Bien sûr, je ne suis pas la bonne. Au chapitre 11. Du coup, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, ouais, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 chapitres? Non, c'est pas possible. Oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 5 chapitres à lire.
pour demain. Voilà, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez, enfin, quand vous verrez ce vlog, là, je serai terminé. Je suis désolée, mais voilà. Pour le moment, c'est assez spécial. Voilà, je vous en dirai plus en temps et en heure parce que voilà. Là, je suis en train de vous mettre la vidéo de mercredi parce qu'aujourd'hui, on est lundi et je vous ai pas mis de vidéo. J'ai pas eu le temps. Voilà. Et si, ben, elle va se terminer. Elle est en train de se ploder sur YouTube. Il me reste 10 minutes. Après, je vous mettrai celle de... Enfin, non, ça, c'est celle de vendredi. Vous allez avoir celle de mercredi que je vais mettre juste après. Voilà. Il me reste 9 minutes. Je m'occupe de ça juste après. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. J'ai pas eu le temps hier. Enfin, hier, on a fait quoi? On a regardé la série qu'on a commencé, qui ils mettaient ces 2 ou 3 épisodes par semaine, semaine. Je ne sais plus quoi. Oh, je ne sais plus. C'est la série de LOL, le jeu LOL, si vous voyez ce que je veux dire, sur PC. Je ne sais plus le nom. Il faudra que je vous remonte à monsieur. Et là, comme ça, j'ai pas le titre en tête. Du coup, je ne sais pas si je le trouverai sur Netflix direct. Parce qu'on l'a terminé hier en mangeant. Du coup, je ne sais plus. Bon, je pense pas que je le retrouverai comme ça. Je ne sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais enfin, soit... je vous dirai une autre fois, c'est pas un souci. Ou ce soir, si j'oublie pas, je demanderai à monsieur pour vous dire. Voilà, à part ça, c'est tout. Ah ouais, là, il faut que j'aille mettre les vêtements à sécher, que j'aille éplucher les patates. Je sais pas combien de temps il reste à ma... 11 minutes, je vais regarder à ça. Parce que je regarde un truc qui est sur Amazon Prime. C'est Chasse à l'homme, si je dis bien, pas de bêtises. Si je fais comme ça, célébrité Wanted, Chasse à l'homme, c'est une série avec des célébrités. On a Mananoudou, voilà, où on a Franck et Ramsey, Rami, Squeezie, Seb Fritz, Dadou. Et je ne sais pas quoi, parce que j'ai mon truc qui est mis et séchant. Et son frère Darcy, Laurent et Florent de Manadou, devinez, voilà, ils ont 10 jours à partir. Ça vient des SDF, hein, on court à leur pépette. Et j'aime beaucoup la façon qui doit se cacher. J'aime bien cette émission, enfin, c'est des séries de 52 minutes, voilà, et il y a 6 épisodes, et je ne sais pas combien je suis, au 5e, du coup je suis avant-dernier, que je vais terminer là maintenant, et je regarderai le dernier tantôt peut-être, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là maintenant, ouais, voilà. Je vais aller mettre ma machine à sécher parce qu'elle est finie. Ouais, voilà, avant que monsieur arrive et faire à manger. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve plus tard ou demain, je ne sais pas. Je vous fais des bisous. Bonjour Mathilissa, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à part que j'ai très mal au dos là parce que j'ai fait mon ménage à fond. Voilà, je viens de terminer, il est 2h15 et je reviens dans ce vlog, on est mardi, vous allez peut-être bouger mais, le 23 novembre, voilà, j'ai quelques trucs à vous parler, j'avance dans ma lecture du mal dans la peau, je suis au chapitre 9 et il faut que j'arrive au chapitre 11, du coup il ne me reste pas des masses à lire. Je vais essayer de le terminer bientôt. Enfin, après. Voilà. Il me reste ça encore à lire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y avait du grand soleil tantôt quand j'ai nettoyé. Ça fait du bien.
Mais voilà, le soleil il est parti. Du coup, le mal dans la peau que je suis en lecture commune avec les filles sur Instagram. Par contre, je suis désolée, ma tête, mais je vais aller à la douche après. J'aime beaucoup, enfin, on peut pas dire que j'aime beaucoup, c'est assez dur à lire. Voilà. Mais je vous en parlerai un peu plus quand je serai plus ou moins à la moitié pour vous en parler. Parce que là, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec tout ça. Et j'ai eu fini de nettoyer, je me dis je vais vite manger parce qu'il était 1h30. Du coup je me dis je vais vite manger et ça fait, bon, je l'ai ouvert mais ça fait ding dong. Voilà, du coup je ne vois plus. Et je crois que vous avez vu mon adresse, pas grave, je foutrai. Et du coup j'avais commandé deux pipettes. Je vais les sortir sans les abîmer. Alors, est-ce que vous avez une idée? C'est rouge et bleu. Du coup, on va commencer par le premier. C'est un palais d'épines et de roses en toc-toc. Du coup, voilà, sur mon Vinted qui est dans barre d'infos, il y aura le tome 1 à vente chez moi que j'ai pas encore touché. Il n'est même pas couvert. Il faut juste que je le retrouve. Mais je vais le mettre à vente sur mon Vinted. Voilà, j'aimerais bien le lire. Ouais, j'aime beaucoup la couverture. Il y a du feuille partout. Et derrière, il est comme ceci. Voilà. Je viens d'acheter le tome 4. Putain, il est gros celui-là. Il est tout sale. Il est juste tout cracra. Il est gros. Il est gros. Et le tome 2. Un palais de colère et de brune de Sarah Gimas. Je crois que c'est la Martinière Jeunesse. C'est la première fois qu'ils font toc toc et c'est vraiment cool. Celui-ci, il a l'air gros. Et il n'y a rien de spécial, il est bleu. J'ai l'impression qu'on voit plus bleu. Voilà. Je chope la lumière. Ah, on voit peut-être un peu mieux. Du coup, je disais qu'il n'y a pas grand-chose. Il est bleu et l'autre, il est rouge. C'est vrai qu'il a l'air plus gros. Il est rouge. Voilà. Hop. Du coup, voilà les deux petites réceptions du jour. Je vais pouvoir faire mon book haul. Je pense que je ferai ça demain. Comme ça, vous l'aurez. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaie de vous montrer. Là, il est taché. Voilà. Bon, tant pis. Hein. On fera avec. Voilà. J'aimerais bien. Ça me tente beaucoup de le lire pour Josie. Parce que s'il reste sous la montagne, pour moi, je t'aime. Le jolie carte. Voilà. Voilà. Après, il n'y a rien de. C'est un livre normal, quoi. Il y a juste parce que c'est du top top, quoi. Couverture rigide. Voilà. C'est pour ça que j'avais pris. J'aime bien les couvertures toc toc, même si ça vaut pas donné. Ils sont quand même à 20. À 20,90. 20,90 €. C'est pas donné quand même. Mais voilà, je me suis dit, attends, je les avoir en beau. Comme j'en ai qu'un, je me dis que ça tombait bien. Comme j'ai pas le tome 2. Mais voilà. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Je vais aller essayer de laver mes cheveux après. J'ai fait mon nettoyage. J'ai fait du rangement. Ça se voit. Ça fait bien fou. Mais là, j'ai un gros mal de dos. Du coup, là, je vais me m'allonger. Et. Est-ce que je le finisse là maintenant ou je le lis tantôt? Je ne sais pas. Il faudra que je le nettoie. J'ai fait une tache là. Ça partira, je pense. Voilà. Par contre, je suis pas sûre de le garder. Enfin, je sais pas. On verra à la fin de ce que ça donne. Mais je suis pas sûre de le garder. Mais enfin, soit on verra. Comme j'ai dit, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. J'ai pas grand chose à part que je fais le ménage, j'ai nettoyé, je viens de manger, j'ai eu mon colis, je suis trop contente, voilà. J'attends, enfin il est 2h20, j'attends monsieur, il finit à 3h30, temps de revenir 4h. Voilà, et voilà. J'en peux plus. J'aurai deux machines à faire demain, mais je les ferai demain parce que là j'ai vraiment plus envie. J'aurai les affaires que j'ai sur moi parce que j'ai. Ah ouais, si vous voulez, j'ai fait une belle gaffe en nettoyant. En dessous de ma table de cuisine, il y a un carton où je mets ce qui est boîte de conserve,
tout ce qui est que j'ai pas besoin sur la main, parce que dans mon armoire, j'ai plus de place. C'est je vais chez Colruyt faire mes courses et du coup, je prends toujours en gros. Et du coup, j'ai mis une caisse en dessous de la table et je mets mes boîtes de. Mes boîtes de conserve, les bouteilles d'huile. Et monsieur a acheté une bouteille d'huile de 2 litres, je pense. Je dis 5 tantôt sur Insta, mais c'est 2 litres. Et je lui dis, je vais la retirer, parce que je vais nettoyer correctement. Et je l'ai mis couchée dans le carton. Elle a coulé. Sauf que je l'avais mis sur le bord du carton. Enfin, je vous explique. En fait, je l'avais mis qui dépasse le carton. Elle a coulé sur le carton et à terre, sur mon pied. Mes chaussures, elles sont pleines d'huile. Mon pied est rempli d'huile. J'ai passé des lingettes tantôt, comme j'ai nettoyé, pour retirer le plus gros. Voilà, parce que comme j'avais nettoyé la cuisine et que mes chaussures étaient pleines d'huile, j'ai essuyé à peu près mes pieds pour mettre d'autres chaussures. Et je me suis dit que j'irai à la douche juste après. Parce qu'après, j'ai fait mon furet, j'ai fait mon nettoyage, j'ai fait mon couloir. Je suis descendue, j'ai fait vite mon couloir. Il n'y a que les escaliers qui sont pas faits. Mais tant pis, mais là, je ne saurais pas. Avec mon mal de dos, pour le moment, c'est pas possible. J'essaierai de le faire début de semaine prochaine. Voilà, si ça irait mieux. Voilà. Et j'ai des petits trucs de sésame. Parce que j'ai mangé un pain au sésame. Et du coup, voilà. Ma gaffe d'aujourd'hui. Je fais toujours une gaffe. Voilà, et je vais éternuer. Et mon chat qui me passe dessus. Voilà. Du coup, voilà, j'ai rien d'autre à expliquer. Du coup, j'ai bien travaillé, je suis bien claquée. Je crois qu'aujourd'hui, je vais bien dormir. Voilà, demain, ben, je ferai mes deux machines. J'ai encore éternué. Il faudra que je me mouche. J'ai bien, bien fait ça. Je suis très, très contente. Je reviens. Désolée si j'ai le nez un peu rouge, mais j'ai coupé parce que je me suis mouchée. Et maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, à part ça, ma gaffe, voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Du coup, là, je vais attendre monsieur qui rentre et j'irai me prendre ma douche quand il sera là. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Et demain, du coup, je ferai les machines, je ferai mes mails, je traiterai ça. Voilà, je suis claquée, j'ai un coup de pompe là. J'ai mangé, j'ai regardé un film, enfin j'ai mis un film, il n'est pas fini, mais voilà. J'ai mis La princesse de Chicago, l'étoile, je ne sais plus quoi. Sur Netflix, vous l'avez trouvé, vous cherchez les princesses Chicago, étoile de Saint-Nicolas, un truc comme ça. C'est l'étoile de Saint-Nicolas, c'est tout ce que je sais. Je viens de commencer et voilà, je continue à regarder ça. Et je dirai un petit peu aussi, voilà, en entendant monsieur. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à tantôt. Enfin, peut-être pas à tantôt aujourd'hui, demain plutôt. Voilà, je vous reprendrai demain et je vous parlerai de mon avancée ou pas. Bon, j'espère quand même le terminer. Il est jusque lundi prochain. Voilà, bon, je vais essayer de le terminer avant lundi prochain quand même. Essayer de le terminer du week-end. Parce que normalement, on n'a rien prévu du week-end. Du coup, je pourrais lire samedi et dimanche. Voilà. Du coup, je me dis pourquoi pas. Et il faut que je mette les vidéos aussi pour la semaine prochaine. Voilà, à part ça, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Il me reste quelques trucs à faire. Je vais remettre des croquettes à mes chats parce que je crois que mon Woody a envie de croquettes. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est mercredi 24 novembre 2021. Donc je suis, voilà. Je voulais vous faire un coucou. Il est 10h40, 54 plutôt, 40, 54. Et j'ai déjà lu ma partie du jour. Je suis contente. Du coup, je suis au chapitre 18 à la page 169, je suis blonde à 100%, je vous l'avoue. Je peux pas dire que j'aime bien, j'apprécie ma lecture, sauf que j'ai un peu du mal à rentrer dans les enfin, m'identifier au personnage. Du coup, on va suivre, je ne sais plus son nom, elle.
Josie, qui a vécu séquestration, enlèvement, viol, et elle va aider des policiers pour retrouver la personne, parce qu'elle s'est enfuie, voilà. On sait déjà le début, du coup, voilà. Du coup, c'est un peu dur à lire. C'est pas dur à lire, c'est juste dur. Comment dire? Oh, vous avez compris. Hein. Je ne sais plus quoi, mais bon, voilà. Et du coup, on va suivre son histoire. L'histoire des personnages entre deux qui vit la même chose qu'elle. Elle a eu plein de trucs qui s'est passé. Elle s'est fait morte par des rats. Il y a plein de choses qui se passent. C'est assez dur quand même. Maintenant, j'espère que ça va changer ça. J'aimerais bien retirer mes étiquettes. Ça fait un peu plus. Et là, je suis à la partie du demain. On va la retirer aussi. Hop, voilà. Du coup, demain, je dois aller jusque la page. Si elle veut bien me donner. Bien sûr, j'y passe. C'est toujours comme ça. Du 18 à 23, et c'est la page 221. Je serai plus ou moins à la moitié demain. Voilà, il faut que je lise ça demain. C'est ça, ouais, je crois que c'est bien ça. Oui, ma partie d'aujourd'hui, elle est lue. Je l'ai lue. Un petit peu hier soir, parce que je l'avais terminé ma partie du jour. J'ai lu un ou deux chapitres hier soir et je l'ai terminé ce matin. Voilà, j'ai beaucoup. J'aime bien ce que je lis, mais c'est pas facile parce que c'est la première fois que je lis un livre assez puissant. C'est un romantique suspense. Il y a tellement de choses qu'il faut vraiment réaliser les choses qu'elle a vécues. Par contre, ceux qui sont. Tout le monde en parle de ce livre. Il fait parler sur tous les réseaux sociaux. Mais faites attention quand même parce qu'il y a quand même. Il y a du viol. Enfin, on n'en parle pas, mais. Enfin, on en parle un petit peu au début, je pense. Ouais, c'est ça. Qu'il la viole, qu'il la séquestre, comment elle a vécu. Pour le. La, oh! Elle mourait de faim, de soif, et il y a un truc qui s'est passé, ça je vous dirai pas. Voilà, il y a plein de choses assez dures. En même temps, elle se fait mordre par des rats. Voilà, parce qu'elle va comprendre qu'elle n'a pas le choix, c'est de. Quand son agresseur, violeur et tout ce qui s'ensuit va lui apporter de la nourriture, de. Comment dire, de. D'essayer de garder le plus possible. De manger qu'un tout petit peu et essayer de le garder le plus pour avoir plus d'énergie entre temps. Parce que par exemple, ils donnent qu'une fois par semaine, par exemple, je ne sais pas, ils disent pas combien de temps, mais voilà, je dis un truc comme ça. Il faut qu'elle ratio ses rations. Elle va faire même des trucs. Boire de l'eau qui sort du mur, c'est. Quand tu entends ça, c'est touchant. Moi j'ai la larme aux yeux, ça me monte. Mais je sais pas quoi. Pas trop facile à lire. J'ai fait un coup de pompe. Je suis levée tôt, c'est pour ça. Je suis levée à 6h. Et j'ai lu la partie du jour, du coup. Du coup, j'ai un coup de pompe. Et puis je me suis levée. J'ai fait quoi? Ben, mes cheveux. J'ai lavé hier soir. Où je les ai lissés et j'ai tourné le book haul du mois de novembre que vous aurez début du mois prochain. La pale de mois de décembre, il faut que je les monte. Je vais les monter après. Je vais faire ça aujourd'hui. Je vais aller faire ma petite vaisselle, les deux machines que j'ai à faire et c'est bon pour aujourd'hui. Hier, j'ai fait quand même pas mal de choses. C'est moi, j'ai nettoyé toute ma baraque à fond. Un brosse raclette, j'ai bien rangé aussi. Je suis fière de moi, je suis fatiguée. J'ai mal encore un peu au dos. Du coup, aujourd'hui, je vais faire juste que j'ai des trucs à OBC à faire. Là, je vais aller mettre la première machine en route. Parce que hier, je vous ai dit ma catastrophe.
Je fais tomber de l'huile d'olive sur moi. Du coup, je vais aller laver mes chaussures et mon pantalon. Ça vaut mieux. Et du coup, voilà. Et en même temps, je mettrai d'autres choses avec. Mais voilà. Voilà. Et au matin, aujourd'hui on est mercredi, il y a une vidéo. Et au matin, j'étais en train de lire. J'entends ploup ploup sur mon téléphone. Du coup, je regarde et je revois les notifications de YouTube que je venais de. Enfin, ma vidéo était en ligne aujourd'hui. Sauf que j'en ai deux. Je fais touloup et touloup. Je me dis, c'est pas normal. J'ai qu'une vidéo qui se met aujourd'hui. En fait, je me suis trompée. Du coup, pour ceux qui l'auront vu mercredi, le 24, il y aurait eu deux vidéos au matin d'environ 2-8 heures. Sauf que je pouvais faire 9-10 heures, je pense. Je ne sais plus à quelle heure que j'ai allumé le PC. Enfin, soit. J'ai vite changé ça. Excusez-moi, je baille. J'ai vite changé ça. J'ai remis la vidéo du vendredi au vendredi parce que voilà, j'avais mis les deux. Je me suis trompée dans les dates. Ça arrive de temps en temps. Du coup, aujourd'hui, vous avez une ouverture de Pokémon des 25 ans. Voilà, que j'ai encore à monter certaines. Parce qu'en fait, monsieur les a reçus et du coup, on les a tournés le. Il a reçu le jour au soir et le lendemain, on les a tous tournés. Je sais pas, il y en avait combien, mais on les a tous tournés d'un coup. Pour être tranquille et puisque monsieur voulait absolument voir ses cartes du coup on les a tournées mais j'ai plus qu'à les monter et comme ça je vous les insérerai petit à petit tous les mercredis sur la chaîne et vendredi vous aurez la woodbox je pense c'est ça que j'ai mis il n'y a pas longtemps que je l'ai mis mais je crois que c'est la woodbox je l'ai plus la woodbox c'est fini je sais pas pourquoi elle me revient dans la tête. Je la prends plus la box, c'est le petit colis. Voilà. Voilà. 13 minutes. Enfin 40 presque, c'est 13, 41. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture de la valisette des 25 ans Pokémon. Et j'ai déjà 4 vues. Il y a quand même eu une vue sur le. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être moi. 4 vues déjà. Oh, celle-là, bien marché aussi. Celle-là aussi et voilà pour ça je vais vous laisser je vais aller sur Insta dire que la vidéo d'aujourd'hui est en ligne et que n'hésitez pas à aller là vous trouver sur la chaîne voilà sur ce je vais vous laisser et je vous dis à demain demain on sera jeudi ce sera peut-être le dernier jour que je vous prendrai je ne sais pas j'avais dit que j'allais commencer à monter le vlog aussi mais je ne sais pas, j'ai un doute si je les monte. J'ai déjà monté les deux vidéos que je veux faire. Voilà. Parce qu'on est le 24. J'aimerais bien que le. Pour. Non, mais mercredi, là, c'est. Le premier, ce sera du Pokémon. Du coup, le vendredi 3 décembre, j'aurai la pâle. Je vais vous mettre la pâle. La pâle. Il faudra que je vous mette. Le 6, du coup, vous allez avoir le premier, vous aurez la pelle. Le 6, vous allez avoir voir si j'ai reçu la pelle du mois de décembre. Je vous dis rien, mais elle est pas bonne, très mauvaise, même, mais tant pis. Mais j'ai deux lectures en plus, comme celle-là n'était pas prévue de base, mais elle sera lue cette semaine. Pour le 29, elle sera lue. Du coup, j'en ai un en plus. Et j'ai lu une BD qui n'était pas prévue au programme. Qu'il faut que je l'inscrive aussi. Du coup, voilà. Et voilà. Du coup, non, je vais pas vous montrer haussement. Vous allez. Façon, si vous suivez mes vlogs, vous allez savoir ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai. Je sais pas, demain ou tantôt, je sais pas, je vais voir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve quand je vous reprendrai, quoi. Voilà.
Bonjour Mutulisson, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi 25 novembre, si je dis pas de bêtises. Et je revenais dans ce vlog pour vous parler de quelques trucs. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais mi-octobre, j'avais commandé les cadeaux de mon amie que j'ai toujours pas montré, la pop. Que j'ai commandé pour moi et pour elle. Je vous ai dit que je vous le montrais et du coup je l'ai pas montré, c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer ça quand j'aurai le temps. Elle est là, mais voilà. J'avais commandé Dook, c'est ça, c'est Dook, pour son anniversaire, la pop Dook avec un écureuil, je ne sais plus son nom en français. Squeezie, Grêle, je ne sais pas en français comment il s'appelle. Enfin, je pense pas que je vous l'ai dit en plus. Excusez-moi. Enfin, je disais que je pense que je vous en ai pas parlé. J'avais commandé la pop de Dook avec un écureuil dans la nouvelle collection et je ne l'ai pas reçue. Et du coup, c'était emmerdant pour moi pour son anniversaire. Mais j'avais fait autrement. Voilà, enfin, soit. Et du coup, j'avais fait. Enfin, je dois vous dire d'abord. Je l'avais acheté sur Amazon parce que je ne l'avais pas trouvé ailleurs. Mais Amazon, oui, il l'avait. Du coup, j'avais commandé sur Amazon. Et quand je l'ai commandé, je reçois un mail, ou ouais, je crois que c'est un mail, comme quoi la pop était sur le chemin qu'elle était envoyée. Du coup, je me dis, bah, ça va, je l'aurai avant qu'elle vienne la chercher, enfin qu'elle vienne à la maison pour voir ses cadeaux. Et je reçois un colis. Et je me dis, c'est bizarre, ce colis n'est pas du tout la forme de la pop. Mais je me fais pas trop. Je me dis que c'est peut-être un autre colis que voilà, que je me rappelle pas. Ou que c'était monsieur qui avait commandé un truc. Du coup, je me dis, ça va, je vais ouvrir, je monte chez moi, j'ouvre le colis et je vois un jeu Switch. Ne me demandez plus le nom du jeu de Switch, il est là-bas, j'y joue avec. Et j'envoie la photo à mon copain avec le bord d'euros de l'achat. Et j'avais pas fait attention, il était marqué Dook sur le bord d'euros. Du coup, c'était logiquement la pop que je devais recevoir, que j'ai pas reçue. Du coup, j'ai eu la Switch, enfin, un jeu Switch à la place de la pop. Et du coup, monsieur me dit, mais regarde sur le bord d'euros, il est marqué qui est écrit Dook. J'ai dit, punaise, merde, alors ils se sont trompés dans la voix, j'ai eu le jeu Switch à la place de la pop. Du coup, j'ai fait semblant de rien, parce que je crois que je l'ai eu le vendredi. Le samedi, ben, j'ai rien. Enfin, j'ai eu vendredi après-midi ou en fin de soirée. Du coup, j'ai attendu mon copain qui rentre à 4 h. Et je me dis, de toute façon, je ne sais rien faire là maintenant. Et je me dis que lundi, je ferai le nécessaire. Voilà. Et du coup, j'ai fait semblant de rien, comme quoi je n'ai rien reçu, moi. Et que je n'avais pas reçu la pop. Elle était marquée en cours d'enchaînement. Et puis, elle était marquée perdue. Du coup, je me dis, ben. Mais tant pis. Que j'ai eu le. Du coup, je fais une demande de remboursement ou de renvoi de pop. J'ai toujours pas eu de mail comme quoi on me l'échangeait, quoi que ce soit. Du coup, je me dis tant pis, c'est 20 euros que je perds, mais j'ai eu un jeu de Switch à la place. Du coup, ça me fait. Le jeu est un truc de 60, 60-65 euros. Et du coup, je me dis bah, tant pis, j'ai le jeu Switch à la place, j'ai quand même gagné dessus, quoi. 20 euros pour un jeu Switch, ça, c'est. Je l'aurais pas. Et ce matin, j'étais occupée à lire mon livre et je me dis rien en fait. Je dis bon, je vais lire un peu, je vais essayer d'avancer ma partie du jour parce que j'étais pas avancée. Du coup, je me dis ça et à un moment, j'entends bzz, bzz, deux fois. Enfin, j'ai deux sonnettes en fait. La sonnette de l'appartement et la sonnette, je sais pas si vous allez voir celle-là, que c'est moi qui l'ai mis. Voilà, parce qu'en fait, la sonnette de l'appartement, si mes voisins du bas ne payent pas leur compteur, c'est tout un machin ici en fait, ne payent pas leur. S'ils ont un compteur à carte, s'ils remettent pas des sous, des fois je me retrouve sans sonnette. Du coup, je me suis dit, je vais mettre celle-là pour moi en cas de colis ou quoi que ce soit, ou quelqu'un viendrait. J'ai plus facile et je les entends au moins. Et du coup, j'entends la sonnette là.
Et puis j'entends l'autre sonnette sonner. Je me dis, c'est bizarre, d'habitude c'est le facteur qui fait les deux sonnettes. Du coup, je fais pour ouvrir, parce que je fais ouvrir la porte d'en bas, d'en haut. Puis je fais à ouvrir, parce que ici bien le facteur joue, j'appuie sur le bzz quand il sonne sur les deux sonnettes, ça fait bzz en bas, il ouvre la porte, il dépose le colis, il s'en va comme ça. On n'est pas en contact ni lui et moi pour le Covid. Et comme ça, il perd pas de temps aussi. Et du coup, je descends et je trouve le facteur au milieu de mes escaliers avec un colis en main. Il dit, ah, bizarre qu'il ait un colis, j'ai rien demandé. Il n'y a rien qui doit arriver pour le moment, surtout. Je me dis, c'est bizarre. Et du coup, je ouvre le colis et je retrouve la pop que est toujours reçue aujourd'hui. Voilà, elle devait arriver deux fois plus tôt, celle qui était perdue. Que j'ai demandé un remboursement, que j'ai toujours pas de nouvelles, mais elle est là, elle est entre mes mains. Du coup, ma chère amie va être contente de la récupérer quand elle viendra, voilà, ou quand j'irai. Et voilà, du coup, j'ai un jeu Switch plus la pop. Voilà, du coup, je suis trop contente de voir la pop, surtout pour elle, parce que voilà, c'est son cadeau quand même. Et en même temps, je revenais, je suis trop contente de la voir, elle est belle. C'est pas ce que moi je la veux pas. Enfin, je veux plus de pop pour le moment. Pas dans celle que je veux pas. Dès que j'ai arrêté la collection des pop pour l'instant, je n'ai plus de place. C'est fou chez moi. Du coup, je viens pour vous parler du mal dans la peau. J'ai lu ma partie du jour. Du coup, c'est la page. Chapitre plutôt. 23, la page 221. Voilà. J'ai pas envie de m'arrêter. Mais là, je crois que je vais continuer encore une petite demi-heure à lire la partie de demain. Comme je vous ai dit que demain, logiquement, je n'arriverai pas à lire peut-être pas la partie de demain. Du coup, je vais essayer de lire la partie de demain aujourd'hui et une grosse partie de demain aujourd'hui. Et si j'ai le temps, lire peut-être au soir d'autres parties de demain. Enfin, voilà. Vous avez compris quoi. J'ai essayé de le couper en deux pour lire un peu maintenant et lire le reste de ce soir. Comme ça, j'aurai eu la partie de demain. En même temps, il me restera la partie de samedi, dimanche et lundi. Non, mais dimanche, j'ai envie de me la speeder, finir la partie du lundi, le dimanche. On va essayer. Voilà, du coup, il me reste plus beaucoup de post-it. Du coup, vous voyez mon marque-page, il est là. Et il me reste. Enfin, là, j'ai pas retiré. J'ai commencé le chapitre 22, une page, et il reste tout ça à lire quand même. Je crois que je suis à la moitié maintenant. On a la moitié du roman. L'histoire est assez poignante. Oh, j'ai mon marque-page qui se défait. C'est assez poignant. On commence à comprendre qui est le violeur, assassin, le kidnappeur et tout de ces jeunes dames. Voilà, on commence à savoir qui c'est. Enfin, on a un truc. C'est un livre un peu avec une enquête en fait de viol, de kidnapping et tout ce qui s'enfuit avec. Voilà, et on commence à savoir qui c'est. Et voilà, maintenant je sais pas. J'ai quand même un doute s'il va être dans mes livres favoris. J'ai un doute quand même. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais je vais continuer du coup la partie de demain, aujourd'hui. Voilà. Et en mangeant des. C'est trop bon. J'en ai mangé deux. C'est tout qui arrive pas. On est mangé deux là. Et je vais me faire mon troisième. Avant que monsieur arrive. Faut que je les planque. C'est trop bon ces trucs. C'est trop trop bon. Voilà. Et sur ça, c'est tout. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai fait la dernière machine que j'avais oubliée hier. Parce que j'avais fait une machine hier, mais j'avais pas fait la deuxième, comme j'avais dit. Du coup, la deuxième, elle vient de se terminer. J'ai plus qu'à la mettre séchée. Mais mon pondoir est plein. Enfin, c'est pas trop grave. Je vais les sortir. Mais c'est tous les torchons que j'ai faits. Que j'ai nettoyés. Parce que comme je vous ai dit que j'avais rincé de l'huile, il fallait que je fasse tout ça. Du coup, j'ai fait les torchons qui étaient pleins d'huile. Je les ai lavés. Je vais les mettre dans le. Je vais les déplier, les mettre sur le bac. Parce que là, vous avez mon chat qui dort. Bien profond. Et sur le poêle, il y a déjà mes chaussures qui sont en train de sécher de ma catastrophe d'huile d'olive. Voilà.
Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais continuer à bouquiner parce qu'il est 3 heures et monsieur finit dans une demi-heure, tant qu'il arrive, dans 1 heure qu'il est là, quoi. Du coup, je vais encore lire une petite heure et après, ben, c'est parti pour le repas, les douches, voilà quoi, enfin ma douche, voilà. Pourtant aujourd'hui j'ai rien foutu mais je suis fatiguée. À part faire la machine, faire la vaisselle et voilà. Et m'occuper de mes enfants. De ça. Je sais pas si vous l'entendez mais elle ronfle. Elle bouge même pas. Hein. Ah. Vous la voyez pas du coup. Elle bouge. Mais pas avec mon bras, mais elle a ouvert les yeux. Elle ouvre les yeux. Regardez, elle ouvre les yeux. On te voit, minou minou. Madame Zoé, on te voit. On te voit. Et on t'entend ronfler. Mon bébé d'amour. Hein, c'est mon bébé d'amour. Et Didine d'amour. Après, il faut que je me donne à manger à mes bébés. Hein? Voilà. Oui, il faut donner à manger à ses bébés. Voilà. Et après, ben, ce sera faire à manger pour nous, faire à manger pour ses bébés. Ma petite douche s'impose. Et puis, lecture et dodo. Ah bon, ça, il y a mes deux séries à regarder. Et oui, hier j'ai rejoué un petit peu à Pokémon Perle. J'ai avancé un peu dans l'histoire. J'ai le quatrième, cinquième badge. Je crois que c'est le quatrième badge. Je ne sais plus. C'est quatrième, cinquième. Un, deux, trois. Je crois que c'est le cinquième badge. Je suis pas sûre. Mais enfin, j'avance dans l'histoire doucement. J'ai dû attendre monsieur parce que j'étais bloquée. J'arrivais pas à trouver ce que je devais aller. Du coup, il m'a montré. Il dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Du coup, voilà, maintenant je suis repartie. Il faudra que je joue un petit peu tantôt. Je jouerai tantôt. Voilà. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller bouquiner parce qu'il est déjà 3h05. Voilà. Et mon bébé s'est rendormi comme toujours. Voilà, il s'est remis pour dormir. Que ça, mais c'est de mes mères hein, aussi, du coup voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Et demain, je viendrai conclure le vlog et vous en dire un peu plus sur cette lecture. Bon, je rappelle bien avancé logiquement, du coup voilà. Et je vous reprendrai chez vendredi ou au samedi matin. Je prendrai samedi matin, je pense. Voilà, pour vous parler de la lecture en même temps, voilà. Je vous reprendrai samedi, dimanche. J'espère le terminer lundi ou mardi, ou dimanche. Dimanche ou lundi, ce serait mieux, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, ce serait fait. Et puis, on pourrait passer à autre chose. Parce que cette mois-ci, la pâle de décembre, j'allais dire de novembre, c'est pas le taf. Enfin. Vous n'avez pas encore vu la pâle de dessin, mais là j'ai un peu exagéré en livre, c'est pas grave. Ce sera une pioche, je vais piocher dedans, je vais essayer de lire le plus livre possible dedans. Et ce qui sera lu, ce sera lu et je serai contente. Et les autres, ça partira pour après, quoi, on dira. Voilà. Mais je pense essayer de lire au moins. Il y a deux livres. Deux petits livres qu'il faut qu'ils se lisent vite. Je pense qu'en un jour, ceux-là, je peux les lire. C'est une centaine de pages. Un peu plus même, 200. Je pense que ceux-là, en 2 jours. Allez, grand max. Moi, je dirais, j'essaierai bien en un jour chacun. Et après, il faudra que je lise un autre. Je voudrais bien en lire un peu plus quand même que ce mois-ci. Que le mois de novembre. Enfin, novembre et octobre et novembre. Voilà, pour essayer d'avancer dans ma palle. Parce qu'elle est énorme. Et voilà. Et on va se lancer un challenge avec Mariette, mon amie, que vous avez déjà vue sur la chaîne. On va se donner 10. Comment on peut dire? C'est pas des titres, mais
comme avoir un chien sur la couverture, c'est ce que moi je lui ai mis en premier lieu, parce que c'est ce qui est venu en tête, sur la couverture, et lire, enfin on s'est prévu un défi de 10 livres, avec des trucs comme ça, un chat sur la couverture, enfin un chien sur la couverture, et on mettra nos livres dans la catégorie qu'on veut, on choisira nos livres, comme ça chacun lit ce qu'elle veut, par exemple de E dans le nom, de L ou de tout ce que vous voulez, voilà, un truc comme ça quoi, qui pourrait, et comme ça on reste dans chacun dans notre catégorie de livres, parce que moi j'aime la lecture, la romance, un petit peu de les fantastiques, et elle c'est plutôt tout ce qui est horreur, voilà, du coup comme ça on reste dans nos zones de confort, peut-être essayer de un niveau un essayer de lui changer son truc, j'ai envie de lui mettre un petit truc de romance, je sais pas, j'ai envie de lui dire par exemple comme celui-là, il y a de la un, enfin pour le moment il n'y a toujours pas de la romance, mais il y a une histoire de romance et de recherche, pourquoi pas lui mettre celui-là obligatoirement à le lire, pourquoi pas, ce serait une idée. Voilà, sur ce je vous laisse, 16 minutes que je vous parle, voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour conclure ce vlog et le monter en même temps, parce que demain, quand je vous dis, demain matin, je me lève à 6h, je me prépare, je me pars à 7h, sur le fait, entre deux, je pourrais peut-être lire une page ou deux, ce serait pas mal, en me levant, je sais pas, en déjeunant, peut-être lire en même temps. Je pars à 7h. Je reviens dans les environs 11h. Je dirais, je vais dire midi, midi et demi, pour être sûr. Je vais rentrer, manger un bout. Vous parlez, si j'ai lu la partie du jour aujourd'hui, vous parlez de la partie du jour demain. Conclure le vlog. Conclure le vlog, le monter. Quand il sera monté, le mettre sur YouTube et le programmer pour samedi. Et après, me suis rendre plus tôt en plus le vendredi. Voilà. Et après, il y a plein de choses à faire. Peut-être faire des courses. Après, lire la partie. Je ne sais pas, peut-être lire, et après il y a ma série, et à 9h il y a Danser avec les stars. Du coup, il y a plein de choses, plein de choses, plein de choses. Voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt, parce que monsieur m'a fait un message, du coup, je vais aller voir ce qu'il me dit. Parce que comme il reste une demi, enfin, même plus d'une demi-heure, du coup, il faut aller voir s'il me dit pas quelque chose. Voilà, sur ce, je vous laisse, et on se parle demain. Je vous fais des gros bisous. Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog, on est vendredi tard parce qu'il est 6h15 et on est le 26 novembre. On a couru aujourd'hui, mais j'avais un colis avec vous. Du coup, je vais l'ouvrir. Hop, d'une traite. Bon, moi je sais c'est quoi. Voilà. Du coup, c'est le tome 3. Je vous montre, je sais pas, je suis pas de, voilà, cette perle. Je voulais continuer, il y a le tome 4 qui va arriver aussi, voilà. J'aime beaucoup cette histoire, je vous en parlerai plus en profondeur avec le tome 3. Et en même temps, je venais vous parler de ma lecture que j'ai bien avancé. Vous voyez pas là, j'ai avancé là, deux chapitres. J'ai lu la partie d'aujourd'hui, du coup, je suis au top et j'ai commencé la partie de demain qui est presque finie. Je vais aller là demain. Vous voyez, hop, si je pouvais la voir. Il me reste à ça à lire pour demain. Bon, je pense que je l'aurai fini. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vais le lire à après-midi. Voilà. Je vais essayer du moins. Et du coup, voilà. Il me restera plus que... Si je... Je vais lire jusque là. Il me restera dimanche et lundi. Mais dimanche, j'ai dit que j'ai essayé de lire la partie du jour. Mais il y a un truc qui s'est ajouté. Mais ça, je vous en dirai plus. Mais voilà. Mais pour le moment, c'est assez émouvant, touchant.
choquant. Voilà. Beaucoup de choses à la fois, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, parce que voilà, c'est quand même assez dur à en parler comme ça. Voilà. Et du coup, je voulais vous dire que je venais conclure ce vlog. Voilà, comme ça, je vais le monter. Il est tard, mais tant pis, je vais le monter plus tard. J'espère qu'il sera au taquet pour demain. Je suis pas sûre qu'il sera à 10h, mais tant pis, on va essayer. Bon, demain matin, je sais. Oh, comme il pleut. Je serai vous le mettre même s'il est plus tard. Voilà. Mais du coup, voilà. Je suis occupée à faire à manger. Vous voyez la lampe qui est allumée. Je suis partie à Brico chercher des lampes. Parce qu'aujourd'hui, c'est 60%, je crois. 25%. Je ne sais plus, un truc comme ça. Et du coup, il est parti. Il a racheté une Dremel pour graver les verres. Avec une rallonge, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin ça. Et ici, il est parti chercher des néons pour ma tantine. Voilà. Du coup, je l'attends parce que mon dîner est presque prêt. Et voilà, je l'attends. Voilà, sur ce, moi je vais conclure ce vlog ici. Parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis fatiguée. Je vais grignoter du. De la charcuterie un petit peu en attendant. Voilà, et sur ce, je vous laisse et je vous dis dans un prochain vlog, prochaine vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end à vous.